Yo les gars, c'est déjà, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo pour parler de FIFA 15, la démo. Car la démo elle est sortie aujourd'hui, alors où je vous parle. 9 septembre, ouais, 9 septembre, mardi 9 septembre. Donc voilà, vous voyez l'interface. Clean, moi j'aime bien. Très très beau. Alors là, pour la démo, on a accès au mode Ultimate Team et coup d'envoi. Ça sera sûrement l'interface qu'il y aura pour le jeu fini, avec quelques améliorations, je pense. Enfin, nos niveaux, tout ça. Donc là, vous voyez coupe et tout, mais on peut pas les essayer. Ce sera dans la version finale. Donc voilà, là j'ai lancé un match. Je suis en différé parce que mon Abermédia il a quelques bugs. Il fait des accélérés, donc j'ai préféré commenter ça en différé pour pas avoir de décalage. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez au niveau des graphismes, je trouve que c'est très très beau. Enfin, je sais pas si en vidéo vous le voyez, mais moi sur ma Xbox 360, et encore je suis pas sur One, vous le voyez. Enfin, moi je le vois. La pelouse, les gars, la pelouse, elle est magnifique. Il y a beaucoup de choses à vous dire, donc j'ai fait un petit condensé du match. Je crois que je suis en semi-pro, ouais, je crois que c'est ça. Donc là je crois que c'est... J'ai direct marqué un but avec Ibra. Donc j'ai essayé de skill les gars et franchement c'est de la tuerie. Franchement pour skill les gars, c'est rapide, c'est vif et franchement c'est nickel. Donc là Ibra il était... comment dire? Il était 5 étoiles geste technique. Je sais pas si vous avez suivi ma dernière vidéo où j'ai montré un peu les 50 joueurs les meilleurs, les mieux notés. Ibra sera que 4 étoiles geste technique. Donc ça c'est dommage parce qu'il avait le physique, la vitesse et le skill. Ça faisait mal quoi. Donc vous avez après les ouais. Alors il y a des nouveautés sur les touches et sur les corners. Donc je vais vous montrer à la fin de la vidéo. On pourra enfin, ça sera un peu assisté. Je vous montrerai. J'ai montré un exemple. Qu'est-ce que j'ai pas montré en vidéo? Oui, on ne pourra pas. Enfin, si, on pourra. Maintenant, il y aura. Il y aura pas que le offensif, ultra offensif. Il y aura maintenant offensif de fou, je crois. Voilà, qui est rajouté et défense de malade en plus. Donc je vois pas à quoi ça sert. Mais bon. Voilà. Donc là on est dans le menu les gars. Vous voyez que c'est... Enfin, tout gris comme ça, moi j'aime bien. Là j'essaie de regarder un peu. Je crois que c'était mon premier match. Non, c'était mon deuxième match. Parce que j'avais déjà essayé au début. Vite fait. Donc vous voyez, on peut changer toutes les tactiques. On peut tout changer directement. Vous allez voir que là je vais prendre Ibra pour... pour tirer les coups francs, même si j'ai pas eu d'occasion de tirer les coups francs. À part au premier match, les gars, j'ai mis un coup franc 30 mètres, je crois. Franchement, ça passe super bien. Donc, ça fait plaisir. Voilà. Le menu, il est beau, tout ça. On peut modifier, comment dire, dans le menu, on peut changer les je sais plus, j'ai perdu le mot. Là vous voyez qu'il y a un changement de joueur avec Dzeko et Navas. J'ai fait des petits condensés hein, parce que les matchs ils durent à 10 minutes et puis il y avait des troublants et tout, donc j'ai préféré faire comment dire, des coupures, faire un petit condensé du match. Là vous voyez but de Yohan Cabaye. Je sais pas si vous voyez, enfin, c'est des petits skills, ils sont pas magnifiques. Mais pour mon deuxième match, franchement, la mise en main du jeu est très très dure. C'est compliqué. Bah, je pense qu'à chaque fois qu'on achète un nouveau FIFA, c'est plutôt compliqué. Et là, vous allez voir, donc je vais diriger le joueur là-haut. Et il va venir se placer normalement. Voilà, j'essaie de le bouger là et je vais faire la touche avec. Voilà. Là je vais vous montrer sur un corner juste après je crois. Donc, vous voyez les skills ils passent crème. Bah voilà c'est tout. Bon je sais que les gars c'est pas la version finale mais je pense que ça va être pas mal. Donc là regardez, je vais déplacer mon joueur qui est en haut au point de penalty. Sauf que j'ai complètement lâché mon corner. Mais bon c'est pas grave.
Bah voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. Si vous voulez la télécharger, elle est disponible. 1,466 Go je crois. Bon, ça dépend de la connexion de chacun, mais c'est pas très long à télécharger. Donc je vous la conseille. Bon après c'est que la démo. Le final sera sûrement mieux, je ne sais pas. En tout cas j'espère. Et voilà. Donc les gars, ah oui, équipe concept, saison amicale, tout ça, c'est toutes les nouveautés qu'il y aura, on pourra prêter des joueurs. Bon, je pense que vous le savez déjà, mais bon, ça fait pas de mal de le répéter. Donc les gars, j'espère que la vidéo vous plaira. Allez, ciao.